J'aime beaucoup Lola Coelho parce que c'est très délicat en fait comme matière. Il faut y utiliser de l'eau et une fois séché, on peut plus revenir. Donc il y a un moment très, très intense en fait de mettre le couleur, le mélanger. Donc très difficile à maîtriser. Et en même temps, ça m'amuse bien aussi de l'effet un peu au hasard. C'est un peu de tâche, mélange que je voulais pas vraiment. Mais ça m'inspire des fois. À ce moment, j'utilise de plus en plus le pinceau japonais. Et là, en fait, je suis allé, voilà, cette fois-ci, moi, j'ai acheté encore le pinceau. Mais là, franchement, il est bien, en fait. Et c'est très souple, c'est agréable à dessiner, en fait. Juste ligne. À la base, c'est pour le calligraphie japonais. Stylo comme ça aussi, j'aime bien parce que c'est pas toujours très fine, en fait. Des fois, il est trop épais. C'est pas très contrôlable. Mais c'est pour ça que j'aime bien. Je m'amuse aussi, le hasard. De plus en plus, en fait, la nature m'inspire. À la base, j'aime beaucoup les plantes. Et donc, balade dans la forêt, en montagne, regarder juste la plante, le feuillage. Déjà, les lumières qui sont là, dans la nature, c'est magnifique, en fait. Chaque moment. Donc, ça m'inspire bien, bien. J'ai un peu des tâches et puis depuis un moment voilà, je fixe je vois en fait quelques paysages donc je commence à fixer les images. C'est la partition de musique de piano classique donc en écoutant vraiment le morceau et inspiré, ça c'était Saint-Saëns, je crois que c'est le compositeur français. J'aime bien aussi des fois un peu l'hiver un peu sombre. En fait, quand je dessine au Japon et ici, quand je dessine ici, en fait, je peux sortir le plus de couleurs en fait très saturées, naturellement, parce que peut-être voilà ça m'influence quotidiennement. Mais au Japon. Au Japon, je peux pas dessiner le même en fait. Ça devient plus dur en fait, comme je vois là-bas. Alors à cause de l'humidité, ça humidité, c'est voilà, ça influence bien sur le papier. Mais c'est marrant la différence. Ouais, aujourd'hui, il fait plutôt, alors, il est un peu un petit peu couvert, mais c'est vrai que le ciel bleu, les couleurs d'étoiles, on bat bien les couleurs ici. Ben, c'est une raison de s'être venu en France, en fait, dans l'Europe. La couleur était plus vif, en fait. Par rapport à l'Asie. Bah, l'Asie aussi très colorée, mais c'est différemment en fait. C'est pas la même palette. Moi je joue aussi le ukulélé un peu. Donc depuis là, en fait, j'aime beaucoup le son de guitare.
Moi, je mets souvent la musique selon les tableaux, selon les images que je fais. Et donc, en inspirant, en fait, bah, je mets à peu près le même univers de musique que je dessine. Donc, voilà, ça crée en fait une ambiance, un univers en fait, dans mon atelier. Comme ça m'inspire bien. Donc, quand je dessine, quand je fais le tableau, c'est très important d'avoir la musique qui me plaît. Mais alors, pendant ce voyage, deux semaines et demie, j'ai pas touché le courant en fait. Ça me manque, surtout, ouais, ça m'angoisse un peu, parce que c'est facile à ouvrir en fait, oublier. Donc il faut toujours faire le réchauffement, sinon j'oublie tout de suite en fait comment les tâches en fait élargies. Le temps de sécher c'est limité, donc on peut pas rater en fait le bon moment.